Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos d'informatique. Aujourd'hui, petit tutoriel Windows sur les tutos d'informatique parce que je vais vous montrer comment bien régler votre casque audio. Alors ça s'adresse à tous les gens, soit qui utilisent Skype ou d'autres logiciels pour communiquer par micro, tout simplement. Beaucoup de gens aussi qui font des tutoriels vidéo, on se rend compte quand on voit des tutoriels vidéo sur internet que le micro est très souvent mal réglé. Et moi, ça m'est arrivé de faire des tutoriels avec une qualité de micro dégueulasse. Donc c'est vrai que c'est moins cool pour celui qui la regarde que si on a une bonne qualité. Donc là, la vidéo, je la fais avec Windows 7. Je sais pas si ça marche comme ça sur les autres Windows. Bon, j'utilise principalement Windows 7, donc voilà. Je crois que c'est un des plus répandus, donc on va faire ça avec Windows 7. Donc, au niveau du speaker là qui apparaît ici, on va faire clic droit, périphérique d'enregistrement. Donc là, vous avez en fait tous les périphériques d'enregistrement qui sont connectés à votre ordinateur. Donc là, il y a le microphone. Comme je parle, vous voyez bien qu'il y a un peu de son qui apparaît dans la barre là. Donc on va dire qu'on va régler celui-ci. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. On va aller dans amélioration. Et en fait, parfois par défaut, toutes ces cases là sont cochées. Il faut pas en fait qu'elles soient cochées. Parce que sinon ça fait un bruit totalement dégueulasse. Donc vous allez décocher toutes ces cases. Si vous avez l'impression que le son est un peu saturé, que parfois on a l'impression que vous criez dans le micro alors que vous parlez normalement, on va se diriger vers niveau, puis on va réduire le niveau. Donc là moi je trouve que j'ai un bon niveau, donc on va le laisser comme ça. Ampli microphone, on peut le baisser très bas. Bon, moi je l'ai mis à plus 10 là, mais bon, je pourrais le mettre plus bas. Dans écouter, bah là c'est pour périphérique de lecture par défaut, donc voilà, donc là c'est pour écouter en fait le média. Et en statistique avancée, ça c'est des petits trucs un peu en option, ça je vous conseille de pas trop y toucher, moi je vais pas toucher. Donc voilà, comment bien régler son micro pour faire de bons tutoriels vidéo et communiquer correctement sur Skype ou sur d'autres messageries. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a servi. À bientôt sur les tutos d'informatique.